Bonsoir à tous, bienvenue sur PP Soup. Ce soir, notre équipe vous proposera de grands sujets de reportage. On démarre après cette petite transition. Et le riz, la tieké, le plakali fait partie des plats prisés des Ivoiriens. Au dîner, nous avons fait la connaissance de Pon Wounou, une grande commerçante de plakali. Son secteur n'est malheureusement pas épargné par la cherté de la vie. À notre micro, elle nous en parle. Faisons le point. Nous sommes à Odiné, dans la région du Kabadougou. Voici maman Pon Wounou, vendeuse de plakali chaud au quartier Sosido d'Odiné. Aujourd'hui, là, elle est venue un peu en retard parce que normalement vers 10h, comme la sauce est déjà cuite. Mais aujourd'hui, il est 11h, donc elle est pressée. Comme nous aussi, on laisse pas faire là. On lui a tendu notre micro forcé. Écoutez là. Oui, au début, quand tu voulais commencer là. Ah, c'était trop lent. Il n'y a pas moyen, donc il n'y a plus crédit. Puis on commençait là. Ah, dans ce temps-là, tout est augmenté. Donc il n'y a pas. Souvent avant, le ticket était truc là. Peut-être il peut aller et puis avoir 20 000 francs. Mais en ce temps-là, vraiment, 10 000, 15 000 francs. Graines est chère, doumle est chère, cumage est chère, sel est chère. Avant, tu achetais tout c'est cher. Cumage là, c'était 4 à 100 francs. Mais là, c'est devenu 3 à 100 francs. Le paquet est devenu. 2000. Ok, avant c'était 1300. D'accord, maintenant comment tu fais avec ta clientèle? Est-ce que le prix de tes plats ont augmenté ou bien? C'est même plus là que je fais. Les gens disent qu'il n'y a pas l'argent. Moi, je sais qu'il n'y a pas l'argent. Après Odiené, nous posons nos valises à Touba, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est là que nous avons rencontré une femme. Cette maman veuve est vendeuse ambulante dans les rues de Touba. Elle propose une variété de pagnes. Où s'approvisionne-t-elle en pagnes? À combien les vend-elle? On fait le point. Maman Touré Massandji est l'une des femmes battantes de Touba, les femmes qui se battent contre le chômage. Comme il faut voir, elle là, elle est veuve, donc seule avec les enfants. Pour ne pas rester comme ça, bon sang, elle s'est lancée dans le commerce de pagne. Mais quand elle s'assoit là, elle trouve que le marché est très lent. Donc Joe, elle se promène avec. Je me débrouille un peu. Ah, j'ai commencé avec 25 000. Je me débrouille avec ça un peu. Je ne peux pas m'asseoir. Si je m'assois, la personne ne va pas me demander. Je prends un peu, je me débrouille avec ça un peu, pour nourrir les enfants. Mon mari ne vit pas encore, je me débrouille. Ah, j'ai un seul garçon. Non, souvent, si je vais à Abidjan, je prends là-bas. Souvent, hier là, je suis partie à main, je suis partie prendre un peu pour venir me débrouiller avec ça. Comme c'est tout ici, c'est 4 000. 1 000 francs. Ici là ça marche pas beaucoup. Je donne à les gens pour prendre un peu l'argent là avec les gens. La mère, on te souhaite beaucoup de courage. Tu sais d'exemple même. Mais il y a d'autres là. Dès qu'elles sont veuves, elles deviennent handicapées en même temps. Est-ce que ça va se calmer? En tout cas, force et courage à toi. Et puis bisous. Enfin, nous allons à la découverte d'une autre femme, pas comme les autres. En effet, elle est une grande joueuse de jeux de maracana. Elle nous partage l'ambiance qu'il y a sur le terrain, surtout qu'elle joue avec des hommes. Au Maracana Club de Fraternité de Yamoussoukro, la mère Ngo Aya Manula joue au poste d'attaquant. Ça veut dire que souvent là, elle dribble papa des gens pour aller marquer. Et ça là, c'est gamme. Ah, papa des gens. Et puis il faut la voir sur le terrain. Elle se débrouille pas mal. Hein. Ça fait quoi ta première vie? Ça fait 5 ans. Depuis la création de. Non, pendant un an après. Non, moi-même, je suis sportive même déjà. Voilà, donc comme j'avais accouché, donc j'ai arrêté un peu. Donc après, quand l'enfant a commencé à marcher, puis je suis venue reprendre le sport. Super bien, hein? super bien. Tranquille quoi. Je me sens en famille, c'est l'ambiance. Voilà, c'est super bien. Comment est-ce que vous faites? Bien! Bien. En tout cas, ils sont sympas, ils sont beaucoup sympas. Ouais. Non, il n'y a pas d'incompréhension, tout est parfait. Vous jouez quel poste? L'attaque. Attaque? Ouais. Fatigué même, ils sont pleins ici, je peux dire non.
Comment? Non, c'est comme ça. Ils me prennent comme une joueuse aussi, comme eux. Mais c'est de nos jours, là, le foot. Il y a des femmes qui jouent au foot. Hein. On les voit à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, elles jouent dans les grands clubs. J'invite beaucoup, surtout les femmes à venir pratiquer le sport. C'est vraiment, surtout le Maracana. En tout cas, c'est vraiment bon. C'est super bon. Manu, comme tout le monde la surnomme ici, est maman. Elles sont deux comme ça à jouer au MC Filles ici, au milieu des vieux pères là. Chers abonnés, tentez de repartir avec une recharge de 5000 francs CFA en trouvant la bonne réponse à la question suivante. De quoi se plaint Madame Wounou, vendeuse de placali à Odiné? C'est ainsi que s'achève ce Pépé News. Excellent début de week-end. Retrouvez dès lundi Yuna Chimizu.